Au milieu du XIXe siècle, sainte Jeanne Jugan, bretonne cancalaise qui voit sa vie aux plus pauvres, fonda la Congrégation des Petites Sœurs des Pauvres. Aujourd'hui présentes sur les 5 continents, elles accueillent des personnes âgées dont les revenus sont insuffisants pour assurer une vieillesse décente. Leur structure, appelée Ma Maison, offre aux personnes âgées des maisons à caractère familial, leur permettant de vivre dans la dignité jusqu'au terme de leur vie. La perspective de quitter chez soi pour les personnes âgées, de venir à ma maison, est un grand bouleversement dans leur vie. Et ça demande pour toutes les petites sœurs de la communauté beaucoup d'attention, de respect, de bonté, et de prendre en compte tous les petits détails qui rendent la personne âgée heureuse dans le quotidien. La bientraitance est une démarche quotidienne des familles, des bénévoles et de toute l'équipe soignante. Les petites sœurs savent respecter la grandeur et la dignité de la personne. Les personnes âgées sont parmi les plus fragiles d'entre nous et leur nombre ne va pas cesser de croître. Pour les aider à garder dignité, joie et vitalité, chacun peut agir. Toujours maintenant, comme depuis les origines, les dons sont indispensables pour nos maisons. Maintenant, les dons peuvent être de différentes formes, financiers, en produits, ou même des dons de temps pour le quotidien de la maison, pour les travaux quand il y a besoin. Grâce à votre générosité, nous pouvons poursuivre notre belle mission et assurer aux personnes âgées un accueil adapté à leurs besoins. La bonté de Dieu se manifeste à travers la générosité de nos bienfaiteurs et nous prions tous les jours à leurs intentions.